Donc je propose qu'on s'assied. Donc juste pour vous rappeler, la conférence aura lieu en langue française, mais nous avons un invité allemand qui va s'exprimer en allemand. Donc les personnes qui ne comprennent pas l'allemand, je vous prie d'aller chercher dehors des écouteurs, ce qui vous permettra de suivre également sa présentation en allemand. Donc n'hésitez pas, avant qu'on commence, d'aller donc chercher les écouteurs si vous en avez besoin. Bien, je propose que nous commencions parce que je pense que tout le monde devra partir à 2 heures au plus tard. Donc, tout d'abord, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Cette conférence a lieu dans le cadre du cycle de conférences sur le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg qui sont organisées par le ministère de la Famille et de l'Intégration, le LISER et le CEFIS. On m'a demandé de le modérer, je vais faire de mon mieux. Et juste pour vous cadrer un peu la conférence, je vous rappelle qu'au Luxembourg, le thème du racisme a été longuement discuté dans le cadre du rapport de la Fundamental Rights Agency qui est sorti en novembre 2018, qui a été repris et présenté en détail pour le Luxembourg en novembre 2019 et suite à laquelle il y a eu des témoignages de jeunes, entre autres afrodescendants, qui ont confirmé, voire montré à quel point il est difficile, tout en étant luxembourgeois, qu'on peut être victime donc, de racisme.